Et bonsoir à tous, comment allez-vous? Ici Sixigoth en direct live sur Twitch et rediffusion sur YouTube bien plus tard. Et oui, donc de retour encore une fois. Bon, je dis la même chose qu'hier, hein, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne en ce moment, donc voilà. Alors, donc vous voyez juste ici qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, enfin quelque chose de nouveau, parce qu'en fait c'est une annonce que je dois vous faire pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant. Parce que sachez que d'ici le 12... juillet de cette année, il y a la vague 5 de Mario Kart 8 Deluxe qui arrive. Et oui, 8 nouveaux circuits à découvrir avec le groupe Noble et bien entendu des VTubers et bien sûr ma communauté. Et oui, donc je vous annonce d'ores et déjà la date, hein, donc entre le, comment dire, le, enfin la date ce sera en fait, bon, le pack sort le 12 juillet, comme je vous ai expliqué, mais par contre, le stream aura lieu le lendemain, à savoir le 13 juillet 2023 à 21h. Donc je serai en compagnie du groupe Novel, donc avec ceux bien sûr qui ont le jeu Mario Kart 8 Deluxe, ceux qui ne l'ont pas, bah, tout simplement ils ne viendront pas. Mais sachez que depuis depuis quelques temps, en fait j'ai pris l'abonnement familial de la Nintendo Switch. Du coup c'est moi qui héberge la plupart des Switch Online du groupe Novel. Et oui, parce que Sixigoth est un véritable papa gâteau. Donc voilà, à contrario d'être un père aimant, ses enfants, comme je devrais l'être avec Lily. Ouais, en parlant de Lily, tout simplement, elle est actuellement en Italie. Donc quand il y aura la vague 5 de Mario Kart 8 Deluxe, elle ne sera pas parmi nous. Donc c'est un peu dommage, mais par contre, il y aura le groupe Novel. J'aurai aussi quelques VTubers, extérieurs au groupe Novel, qui seront là. J'espère qu'ils seront présents. Donc en fait je peux d'ores et déjà vous annoncer leur pseudo. Donc il y aura certainement Akil, donc le VTuber belge que j'apprécie énormément. Il y aura aussi attendez que je me regarde ma petite liste. Apparemment, il va peut-être proposer justement aussi à Napo. Napo VTuber. Miko. Attendez que je retrouve ma petite liste avec justement la discussion que j'ai eue avec Akil. Et Bulbi, voilà. Donc Bulbi qui est aussi son modérateur. Donc voilà, donc j'espère qu'ils seront là pour le 13 juillet. Et j'espère que vous aussi, vous de la communauté de Sixigoth, vous serez là pour vous amuser avec nous sur Mario Kart 8 Deluxe. Donc si vous êtes dans ma liste d'amis, n'hésitez pas à rejoindre en cours de partie. Sinon pour les autres, on verra ça à un autre moment. Bon, là ce soir n'est pas encore le cas de Mario Kart 8 Deluxe, parce que là c'était juste pour la bande-annonce. Voici maintenant venir le moment que vous attendiez tous, à savoir justement la fameuse roue du hasard. Et oui, donc ce soir on va jouer à nouveau à un jeu qui fait partie de cette roue. Donc le seul jeu que je jouerai pas ce soir, c'est Mother 3. Si par hasard la roue tombe dessus, tout simplement, je ne jouerai pas à ce jeu-là, je tournerai à nouveau la roue pour choisir un autre jeu de la liste. Je te fais un petit coucou vite fait. Petit coucou à toi, mon cher DMD Prédarno, j'espère que tu vas bien, donc mon cher ami de toujours. Et de toute façon, d'ailleurs, je te dis rendez-vous à demain, puisque j'ai toujours pas reçu le paquet, puisqu'en fait, le paquet arrive réellement demain. Oui, parce que oui, je rendais service à mon cher ami DMD Prédarno ici présent. Et je lui apporterai justement son petit colis demain. Voilà. Donc ça, c'était un peu, la petite parenthèse. Donc du coup, on va lancer la roue du hasard. Donc on va interagir. Et attention, c'est parti pour choisir un jeu. Je vous rappelle, le seul jeu que je ne jouerai pas, c'est Mother 3, parce que c'est le jeu que j'ai joué hier soir. Et donc le jeu de ce soir sera... ce sera Pokémon Violet sur Nintendo Switch. Donc j'espère que vous n'allez pas être trop déçus, parce que déjà que je me débrouille vraiment comme un pied sur ce jeu. Donc attendez, le temps que je lance Pokémon Violet du coup. Donc on va pouvoir commencer cette partie d'aventure. Donc je vais changer le titre du stream, hop. Alors attendez, je suis en train de changer les informations de stream avant ça. Hop, je change le nom du jeu.
Alors c'est vrai que j'ai joué il y a deux jours, au jeu Pokémon Violet, mais c'est de toute façon le but du jeu. De toute façon, en fait, avec un jour de décalage, je peux rejouer au jeu. Mais on va dire qu'il faut vraiment qu'il y ait vraiment passé 48 heures par rapport à ça. Donc voilà. Donc normalement, j'ai lancé le jeu. Je change les informations de stream. Voilà, c'est bon. Et logiquement, on va pouvoir reprendre notre aventure telle qu'on l'avait laissée la dernière fois. Il n'y a pas de problème, j'espère que tu as vu ce que j'ai mis sur Facebook et Twitter. Alors, j'ai arrêté Facebook depuis un bon moment, mon cher ami, et Twitter, je n'y suis plus du tout pour des raisons qui me sont personnelles. Donc voilà. Mais t'inquiète pas, de toute façon, je jetterai un petit coup d'œil très rapidement dès que j'aurai 5 minutes. Parce que bon, c'est vrai que je touche plus à Facebook depuis presque plus de 2 ans. Mais j'irai quand même consulter. Voilà, donc j'irai regarder quand j'aurai 5 minutes. Alors d'abord, on va arrêter la musique du stream et on va passer au jeu. Ok, alors attendez, hop, bon, je vois bien que ma carte d'acquisition est en fonction. Non. Ça ne fonctionne pas, je désactive, je réactive, et logiquement, ça devrait être bon. Hop, ça y est, voilà, on a le jeu. Ok, donc on va pouvoir continuer notre aventure de la dernière fois, puisqu'on va essayer de rechercher justement le prochain, champion d'arène à affronter. Et j'espère que vous allez passer une agréable soirée. C'est parti pour Pokémon Violet. Tu devrais, c'est important, donc d'accord, il n'y a pas de souci. Donc si c'est important... J'irai quand même réouvrir mon Facebook juste pour toi, mon cher ami. Si c'est vraiment important pour toi. Là, on entend la musique du centre Pokémon parce que, en fait, voilà, j'avais sauvegardé à un centre Pokémon la dernière fois. On va utiliser l'application carte pour savoir où aller. Ça, il n'y a pas de souci, je sais. De toute façon, là, je me suis dirigé vers le champion. L'arène du champion de type normal, donc on va voir ce que ça va donner. Enfin, je ne sais pas, parce que là j'ai eu un léger freeze. Mais bon. On va se diriger vers l'arène du champion de type normal, en espérant qu'on va pas avoir de mauvaises surprises. Alors, le type normal, si je me souviens bien, donc il est faible face au type combat. Donc du coup, je vais regarder un peu les capacités de mes Pokémon. Amuse-toi bien sur Pokémon, tiens-moi au courant. Il n'y a pas de souci, mon cher ami. Alors du coup, calcination, nitrocharge, ombre nocturne. Bon, après les Pokémon de type normaux, donc après ça va, je peux les envoyer n'importe quand, n'importe quel moment. Et j'ai aussi riposte avec mon philanthrope, philanthrope pardon. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup d'attaques de type ténèbres. Mais bon, de toute façon, j'ai aucun Pokémon qui risque d'avoir des problèmes. Donc, vu que c'est type normal, je pense que ça devrait bien se passer. Allez, on est parti pour l'arène. Bon, bien sûr, on fait l'examen d'entrée, qui était obligatoire avant de faire le truc. Ah, il y a des messieurs. Tiens donc, ne serait-ce pas Yagisa ? J'ai l'impression que votre tour des arènes se déroule on ne peut mieux. Attends, c'est toi que tout le monde parle, non? Mais si, c'est toi. Paraît-il que t'es un boss en combat, c'est vrai? Parfaitement. Ha ha ha, t'as de la répartie. Je vous présente Cayenne. Yop, c'est moi, à ton service. Ouais, je sais, je suis plutôt canon, hein, mais t'inquiète, je mords pas. Hein. Cayenne a beaucoup d'humour, mais elle est aussi membre du Conseil 4, comme moi. Mais je blaguais pas! Enfin bref, t'as plutôt l'air futé à première vue. Naturellement, il compte parmi les élèves les plus éminents de l'académie. Ouais, ça se voit. Mais tu vas voir, quand t'auras dépassé le 4ème arène, tu vas au moins rigoler. Effectivement. La grande majorité des dresseurs et dresseuses renoncent à mi-parcours. Mais toi, t'es pas comme les autres, hein? Tu vas faire qu'une bouchée de ces arènes, en tout cas, si t'as intérêt à si tu veux qu'on se renvoie, pour ton examen de maîtrise. Je vous souhaite bonne chance. Bienvenue à l'arène de Mesaclorma. Comme pour tous les challengers, je vais devoir d'abord noter votre nom. Vous êtes Yagisa, n'est-ce pas? Très bien. Voilà
qui est fait. Afin de pouvoir affronter notre champion, Okuba, vous devez tout d'abord réussir l'examen de l'arène. Vous vous demandez sûrement en quoi il consiste. C'est simple, pour réussir l'examen, il suffit de... commander le plat secret du menu. Vous devez trouver quel plat il s'agit grâce à des indices et le commander au trésor culinaire. L'établissement de phare de Mesaclormora. J'ai du mal avec le nom de cette ville. À l'heure actuelle, il y a 3 autres challengers en train de passer l'examen dans la ville. Ils détiennent tous un indice différent au sujet de ce plat. Vous devez les affronter et celui qui perd le combat devra donner son indice au vainqueur. Une fois que vous aurez réuni les indices, vous pourrez commander le plat secret du menu auprès de l'équipe de trésor culinaire. Seule la personne qui aura réussi à passer la bonne commande sera reçue à l'examen. Voici votre indice. Observez bien comment les habitués de l'établissement dégustent leur plat. Pour commencer, je vous conseille d'essayer de leur parler. Ok, donc il va falloir observer les personnes qui sont dans ce fameux endroit. Ok. Alors. C'est parti. Alors. D'accord, celui-là, il tient un gobelet. Ok. Celui-là, il tient un gobelet. C'est parti. Pourquoi ils disent tout c'est parti? Tu vas au mont Nappé. Tiens, un motoriseur. Il faut reprendre des forces. D'accord, je pensais que... Enfin, ils disent qu'il faut observer les personnes. Alors. Je me demande si j'avais le droit. Alors. Mon petit Rongrigou. Alors, je sais pas s'il faut observer ça ici. Bon, ils disent apparemment qu'il faut chercher des indices. Ah bah voilà, c'est ici qu'il faut que j'aille. Le meilleur restaurant de Mesaclormora. Bon, je l'ai bien dit, je crois, cette fois. Si vous cherchez le meilleur restaurant de Mesaclormora, c'est ici, au trésor culinaire. Notre plat secret est également disponible pour ceux qui passent l'examen d'arène. Donc on va rentrer à l'intérieur. Et on va regarder justement comment se nourrissent les gens, ok. Alors, vous êtes en train de passer l'examen d'arène, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez réussi à réunir des indices sur notre plat secret? Alors, que souhaitez-vous commander? Ah ouais, mais sauf que je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Je peux pas annuler? Non mais Nintendo, vous avez fait quoi là? Bon, je vais dire au hasard un steak, allez hop. Bien cuit façon lance-flamme, allez tiens. Hop. Du fromage râpé, hop. Bon, en tout cas, j'ai dû rater un plat comme on ne peut plus normal, donc... En vous remerciant, j'espère que vous reviendrez nous voir. Ouais, oui, ça c'est sûr, j'ai fait une erreur. De toute façon, maintenant. Le trésor culinaire. J'ai entendu dire que le trésor culinaire recevait un dispositif plutôt surprenant. Quoi? Un plat secret? Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, il mange. Êtes-vous un habitué? Oui, en effet, on peut dire que je viens souvent ici. Serais-tu l'un des candidats à l'examen de l'arène par hasard? Une chose est sûre, en tout cas, ajouter un filet de citron apporte un petit goût frais délicieux à n'importe quel plat. Ok. Alors, pour les commandes, ça se passe au comptoir. Oui, je sais, mais moi, je voulais parler au, comment dire, à la personne qui est juste ici. C'était un régal. Ah, je peux pas... D'accord. En fait, oui, ce sont ceux qui ont la flèche que je peux... Avec ceux que je peux réaliser. Donc déjà, le citron. Je peux pas grimper ici. Alors, ouvrant la bouche, fraginé. Ça alors j'ai jamais mangé de rien d'aussi bon.
Il paraît que dans ce restaurant, on peut changer le type de terra cristal des Pokémon. En plus de la cuisine est délicieuse. Je veux bien vous croire, hein. Bon, déjà, il parlait du citron. Donc après, je vais essayer de voir si je peux grimper là-haut. Alors. Je sais pas, parce que là, normalement, logiquement, on devrait pouvoir grimper ici. Bon. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait, Nintendo ou Game Freak. Enfin bon, c'est plutôt Game Freak parce que bon, Nintendo n'y sont pour rien par rapport à ça. Bon, ce qui marche bien avec le citron, en règle générale, c'est le poisson. On va essayer. Allez, du poisson grillé. Pour une personne. Bien cuit. Du citron. Un plat on ne peut plus normal donc. Ouais. Ok, bon déjà, bon. Faut que je cherche ailleurs, faut que je cherche des indices ailleurs sur moi. Des pancakes. Ça c'est le distributeur. Alors, cette ville est un point de passage important dans la région de Paldea. Naturellement, de nombreux visiteurs s'y arrêtent chaque jour, d'où le grand nombre de restaurants. Alors, mon petit Ron Grigou, ici petit, il a bien grandi dernièrement. Il a peut-être temps de déménager dans un appartement plus spacieux. Ok, bon, je suis pas plus avancé. Bon, ça c'est pour acheter des rafraîchissements. Laissez-vous tenter. À fond les manettes. Ça a l'air si bon. Voilà, il déguste un sandwich, ok. C'est ma boisson préférée. Bon, bien sûr, dans les plats, il ne parlait pas de ça. Tentez par un sandwich. Qui dérive d'un bon sandwich? Allez, ça se mange sans faim. Alors, il y a trop de choix. Les sandwichs. Alors, mettons un peu. D'accord, je regarde un saut lourdeau, mais bon, c'était pas ça que je voulais regarder. Mais... Oui, il y a que des sandwichs ici, mais bon, après. C'était ultra bon, c'est méga bon! Bon, je pense pas que je trouverai d'autres indices ici. Parce qu'en fait j'avais juste oublié de faire quelque chose. Hop. Vu qu'à chaque fois à la roue du hasard je lance plusieurs jeux en même temps. Alors. Ah, un dresseur. Hé, toi, je suis sûr que t'as un indice sur le plat secret. Je vais te battre et tu vas me le donner. Oh punaise, un Ursaring. Il est niveau combien? Niveau 34, ouais, ça pourrait éventuellement le faire. Oh, je change de Pokémon après. Ah, j'ai gagné en vitesse. Ah, mon attaque a baissé, ok. Bon, je perds pas l'avantage. Oh, le vilain tranche, ça fait mal.
Allez, on va envoyer Pomote. Pomote tout shiny. Et cogne. Touché deux fois, ouais. T'es sérieux là? Bon. Ah bon, c'est même pas une attaque physique ça. Et bienvenue à toi, Minmani TB. J'espère que je l'ai bien dit. Ah bah oui, mais si tu fais camaraderie, je pourrais pas lancer ma riposte. Bon. Je vais lui lancer un coup de boule. Tout ce qui est plus normal. Ah bah oui, automatiquement. Ah ouais, non, mais il me fait pas d'attaque physique pour l'instant. Ah, j'aurais pu lancer ma riposte. Genre. Ouais bah écoute, ça peut aller, à part que je suis en train de me faire rétamer toute mon équipe de Pokémon. Allez, Piétisol. C'est bon, je l'ai eu. Mais c'est quoi cet examen où on doit se voler des indices? C'est pas du jeu! En tout cas, merci pour le phono. Voici l'indice que j'ai reçu. La pénombre entourée d'escaliers. Il y a un endroit comme ça dans cette ville? La pénombre entourée d'escaliers. Ah, je crois que c'est ici. Mais avant ça, je vais aller vite. D'accord, je sais pas pourquoi mon personnage s'est mis à, comment dire, à glisser comme ça. Est-ce que j'ai le droit de changer mes Pokémon en cours de route? Logiquement, bah, si l'ancien Pokémon est disponible, je vais en profiter. En fait, il faudrait que je mette vraiment Pomote en premier lieu parce que vu qu'il a une attaque de type combat, donc... Ouais, tant qu'à faire, mettre les, comment dire, les Pokémon qui sont capables de frapper en premier. En quelque sorte. Alors, l'escalier entouré de pénombre. Donc je suppose qu'il faut aller ici. Ça alors, un mot est inscrit au fond, les caractères sont à peine visibles, mais pour en être à déchiffrer, déflagration. Ok, on a citron et déflagration. Bon déjà, c'est pour la... Bon déjà, pour le... Comment dire? Pour la préparation, donc... Citron et déflagration, ok. Donc il va falloir que je cherche d'autres dresseurs. Alors, écoute un peu ça, mon tapatoé, ça sait parler. J'essaie de parler, c'est parler. Il est pas trop mignon, et encore, il peut faire bien mieux. Bon, il faut que je trouve un autre dresseur, du coup. Ça, c'est juste le centre Pokémon, alors. Tu vas faire son unité Pokémon? Ok, oui. Alors. D'ailleurs, je vais voir un truc, parce que c'est vrai que je pourrais éventuellement utiliser ma monture pour aller plus vite. Ah. Ah. Arène de Mesclama. Enfin, de Mesclamora, me voilà. Donc, du coup, c'est le prochain dresseur. Dis, tu passes l'examen d'arène? Moi aussi. Donne-moi un indice sur le plat secret. Allez, s'il te plaît.
Argoust. Celui-là, il m'avait manqué par rapport à soleil et lune. Voilà. Allez. Un petit coup de frotte frimousse. Comme ça, il a la paralysie. Ça, c'est dommage, il a pas pu attaquer. Et ça cogne. Allez, cogne encore. Encore une fois. Ah, quel dommage. Allez, un coup de morsure et c'est réglé. Ah, ok. Un rond grigou. Non, je ne change pas de Pokémon. Oh, il est mastoc, hein. Il est vraiment mastoc son Pokémon, hein. Je pensais que je... Voilà. Là, on le voit un peu mieux. Voilà. On va faire pareil. Frotte Primousse. Pour la paralysie. Ah, il a riposte. Il a la riposte. Ah bah alors, moi, je vais cogner du coup. Ah, il est paralysé. Ouh là là, le plaquage. Oh là là. Oh, comme il m'a bien arrangé là. Alors, est-ce que j'ai l'avantage ou est-ce qu'il a l'avantage? J'ai l'avantage. Ça serait bien si on pouvait changer des indices comme on s'est changé Pokémon. Eh non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà mon indice. L'intrus au stand de glace. Ça m'énerve d'avoir perdu, alors je vais me consoler en mangeant des glaces. L'intrus au vendeur de glace. Ah, je vois. Alors, rafraîchissement. Laissez-vous tenter. Salutations de Kanto, que diriez-vous de goûter à des crêpes sensationnelles? Ok, là il y a des crêpes, ok. Alors. Une crème glacée, ok, donc crème glacée. Alors. Je ne vois rien qui puisse être un, comment dire, un... Alors. Crème glacée, il y en a deux. Ah, boulette de riz grillé. Ok, boulette de riz grillé. Je pense... Voilà, c'est lui l'intrus. Alors, si on récapitule bien. Donc, boulette de riz grillé avec déflagration et citron. Et bon, après, il faut aussi le nombre de personnes aussi. Pour le nombre de personnes, donc il faut que j'aille chercher le, comment dire, le dernier dresseur. D'accord, je fais une glissade encore. J'en profite pour aller soigner mon équipe. Ce qui est bien, c'est que moi, je peux revenir au centre Pokémon entre-temps, donc du coup, c'est vraiment pratique. Et c'est pas pénalisant.
Alors, le dernier dresseur, on va le chercher. Il a sûrement la dernière information que je recherche. Alors, le dernier dresseur en bas des escaliers. Bon, ça c'est autre chose. J'ai trouvé des pièces. J'ai ramassé ces pièces en faisant le ménage. J'imagine que ce sont les vôtres. Bah, tenez. D'accord. Alors, ok, donc ça c'est les plats. Je cherche le dernier dresseur pour connaître la quantité. Enfin, pour le nombre de personnes. Non, ça c'est pour sortir. Ça je sors de la ville, sinon. Ah! Il y aurait. Alors, il n'y aurait pas quelqu'un qui passe l'examen d'arène? Si, juste ici. Hé, hey, toi, tu passes l'examen d'arène, non? Cool, tu vas me donner un indice. Oh, un saut lourdeau. Ok. Un petit prot primus. Paralysie. Oh non! Pomo devient somnolent, ça veut dire qu'il va s'endormir au prochain tour. Sauf si j'arrive à le cogner convenablement. Ah ok, au moins limit life. Pomo va s'endormir, ça c'est sûr. Ah, il ne peut pas attaquer. Voilà, ça c'était attendu. On va utiliser un réveil. De toute façon, pour l'instant, je suis pas en danger. Alors, réveil. Hop là. Ah bah du coup, il a pas attaqué. Nice. J'ai l'avantage. Allez, cogne. Ouais, encore 3 coups, quoi. Ouf ! Mais il est violent ! Je vais envoyer Philanthrope, du coup. Eh non ! Ça n'affecte pas mon Philanthrope. Que je peux pas lancer riposte. Ouais, mais fait de lancer assurance plutôt. Voilà. Ça c'est réglé. Marteau Géo va apprendre tranche. Alors, on va voir un peu. Alors, voyons un peu. Alors, le lanceur donne un coup de griffe ou de faux, taux de critique élevé, ça c'est vrai. Bon, vu que j'ai déjà pas mal de Pokémon qui ont des attaques de type ténèbres, voyons un peu. Ouais, bah, je vais enlever morsure puisque, en plus, comment dire, tranche est beaucoup plus puissante. Donc hop, j'enlève morsure. De toute façon, j'ai déjà des Pokémon qui ont des attaques de type ténèbres, donc c'est pas très grave. Bon, bah, du coup, il va me dire la quantité. J'ai perdu. Est-ce que c'est à moi de donner un indice? Ben oui, mon vieux. L'indice, c'est que j'ai le cri du Pokémon Oiseau Bleu. J'étais trop concentré à essayer de comprendre ce que ça signifie, mais c'est pour ça que j'ai perdu. Le cri du Pokémon Oiseau Bleu. Ah oui! Comment dire, le Pokémon Oiseau Bleu, je vois de qui il parle. Alors, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure.
Je sais parler, c'est parler. Et encore, il peut faire bien mieux. Peut faire. Pour deux. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Allez, c'est parti, on va terminer l'examen d'arène, du coup. J'ai toutes les infos. On est parti. Allez, c'est parti pour faire le plat secret. Alors, des boulettes de riz grillées. Pour deux. Cuisson, déflagration et garniture citron. Chef, des boulettes de riz grillées pour deux, très cuites façon déflagration avec du citron. Parfait, c'est parti. Je vais préparer de bonnes boulettes de riz grillées comme on les aime. Ok. Ok, ça s'est transformé en une arène, ok. Félicitations, vous avez réussi l'examen d'arène. Vous avez gagné le droit d'affronter notre champion. Revenez me voir lorsque vous serez prêt à le combattre. C'était simplement ça, ok. Bon, ce que je vais faire, je vais soigner mes Pokémon. Alors, le centre Pokémon le plus proche, il est ici. Ok, alors avant de commencer, ce que je vais faire, je vais voir si je peux pas mettre à peu près mes Pokémon au même niveau. Vu que j'ai des super bonbons dans les objets rares, alors attendez. J'ai 3 super bonbons, mais d'abord je vais utiliser les bonbons exp. Alors attends, qui a le plus de niveau ici? Donc c'est celui-là, donc on va en donner 2. Ok, ça n'a pas augmenté plus que ça. Bonbon exp S. On va donner ça à Philanthrope. C'est pas suffisant. Faudrait que je les mette tous au niveau 32, vu que j'en ai que 3. Hop. Souplesse. Alors, est-ce que j'ai une attaque que je pourrais remplacer? Le lanceur utilise ses membres tels qu'une queue ou une liane pour infliger des dégâts à la cible. Bon, c'est pareil, je pourrais éventuellement remplacer morsure. Alors, je réfléchis un peu. Alors, étincelle ou morsure? En morsure, c'est quand même assez puissant. Étincelle aussi. Bon, faute frimou, je m'en sers seulement pour paralyser le Pokémon. Bon, après, il y a précision 75, donc ça peut rater. Bon, allez, tant pis. Hein. Hop, j'oublie morsure. Mais après, j'ai encore assurance sur mon Pokémon insecte, donc c'est pas un souci. Voilà, niveau 32. Ébullilave. Qu'est-ce que ça fait, Ébullilave? 80-100. Des flammes s'abattent sur tous les Pokémon autour du lanceur, ce qui peut aussi les brûler. Allez, j'enlève Calcination et je lui apprends Ébullilave.
Et enfin, Philanthrape. Ok, ils sont tous niveau 32 plus ou moins. Je pourrais donner les bonbons exp restants. Ah bah tiens, Azumarill. Ok, bon c'est pas mal. Ok. Après c'est vrai que j'ai plein de trucs là que je pourrais éventuellement utiliser. Mais bon là j'ai rien d'autre. Ah j'attaque balayage ici. Alors un grand coup de pied qui fauche la cible. Plus celle-ci est lourde, plus la puissance de cette capacité augmente. D'accord, donc je peux éventuellement apprendre ça à Pomotte. À la place de, comment dire, de Cogne. Faut que je regarde. Je vais regarder si c'est plus puissant ou pas. Force ajoutée. Non, ça c'est Psy. Alors. Change éclair. Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un Pokémon de l'équipe prêt à combattre. Ah, c'est intéressant ça. Change éclair. Puissance 70, précision 100. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant, changer clair. Enfin, mais après, ça veut dire qu'en fait, contre un Pokémon, par exemple, contre un Pokémon qui est faible face au truc, donc après, ça fait changer le Pokémon. Mais bon, après, c'est. Bon, on verra plus tard. Ok. Pico, donc c'est une attaque de type sol. Ah, aura sphère. Bon, sauf que aura sphère, mon Pokémon ne peut pas la prendre. Alors, le lanceur puise au fond de lui-même pour dégager une aura et projeter de l'énergie sur la cible. N'échoue jamais. Bon, ça c'est bien pour Lucario, ça c'est sûr. Mais bon, après, je n'ai pas de Lucario dans mon équipe. Bon, on verra plus tard. Bon. Le lanceur attaque en bondissant sur la cible, ce qui baisse la vitesse de celle-ci. Puissance 50, précision 100. Bon, je pourrais rester des heures à choisir une attaque. Alors, voyons un peu. Attends, Cogne a fait quoi? Puissance 15, précision 100. Et là, ça fait précision 100. Et voilà. Un grand coup de pied bas qui fauche la cible. Plus celle-ci est lourde, plus la puissance de capacité augmente. Ah, alors oui, c'est intéressant. Du coup, j'enlève Cogne et je prends balayage. Ok. Pas de regret. Alors on va sauvegarder. Ok, bon ben on va tenter le combat du coup. Vous souhaitez affronter notre champion Okuba, qu'on appelle aussi l'agent lambda? Dans ce cas, je vous laisse prendre place sur le terrain de combat. Monsieur Okuba, c'est à vous! Ah, c'est donc lui! Bonjour. Je suis Okuba, le champion de l'arène de Mesaclomora. Bravo pour ta réussite à l'examen d'arène. Et sache que, outre les boulettes de riz grillées, les plats sont généralement assez bons ici, alors n'hésite pas à essayer autre chose. Cependant, je crains que ma patronne ne se fâche si nous gardons trop longtemps. Passons donc au combat, si tu le veux bien. Je te prie d'agréer, cher dresseur, l'expression de ma victoire certaine. Bon, son regard, il fait peur, hein, je vous avoue. Dodo à la. Ok. Vas-y doucement, tu veux. Je suis encore en pleine digestion. Oh, le détail. Ok. L'ennemi est en hyper sommeil. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, comme d'habitude, Rod Frimousse pour le paralyser. Ok. Oh, il m'a pas laissé le temps. Ok, tu joues à ça. Ok. T'inquiète pas. Ça, c'était attendu.
Attention à la riposte. Boum. Alors, un 2 sous lourdeau. Ah oui, c'est l'évolution de un sous lourdeau à tous les coups. Je change de Pokémon. Et je vais envoyer... Qui je vais envoyer? Tiens, je vais envoyer Azumarill. Oh, le regard médusant. Ah, il m'a paralysé. Bah oui. Bon, c'est pas grave. Changeons de stratégie. Hop. Alors, un petit rappel que je vais utiliser sur Pomotte. Hyper creuse, c'est quoi ça? Ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est la stratégie que je mets en place. Hop. Hop, sur Pomotte. J'espère juste qu'il va pas faire, faire pareil après. Hyper creuse, il sait faire que ça. Ok, il a fait le critique. Alors, du coup, je renvoie Pomotte. Vu que ça a l'air d'être un gros Pokémon, donc avec balayage, je suis sûr que je vais le toucher. Enfin, j'espère. Ouh, c'est super efficace. Aïe, 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 tunnelier. C'est une attaque de type sol, ça, non, tunnelier? Ouais, je vois. Bon, laisse tomber. Il m'a cassé ma stratégie. Ah, coup critique. Il va me faire baisser mes stats. Ah non, même pas. Il va me paralyser pour qu'il prenne l'avantage. Bah oui, bien sûr. J'aurais pu attaquer. Mais non. Il m'a laissé aucune chance. Alors, vu qu'il a des attaques de type sol... J'ai pas l'avantage avec Charbambin, donc du coup il va falloir ruser. Allez, un coup de tranche. Non, il a pas senti le critique. Bah non, bien sûr, allez hop, paralysé, ça fallait s'y attendre. Allez hop, ça tranche. Oh punaise. Ah, il manquait pas grand chose. Yes, il a manqué l'attaque. Bah oui, il est paralysé, bien entendu. Voilà, le pire c'est que voilà, avec tunnelier malheureusement... Là, il va me one-shot, ça c'est sûr. Malheureusement, là, je me fais pas d'illusion. Quoique! Je suis en difficulté, mais ce n'est rien comparé à la pression du management. Oh là là, Eto Raptor.
Bon bah j'ai intérêt à tout donner là. Tu te débrouilles bien, me voilà en bien mauvaise posture. Au bouquin, un peu d'énerve, bon sang de bonsoir. J'ai des clients qui ont faim, il serait temps de balancer la sauce. Je n'arrive pas à choisir de favori, alors je vous encourage tous les deux. Tu as entendu, je n'ai plus le choix. On me pousse à me battre sérieusement. Ah bah oui, bien sûr, il commence. Hein. Non, je sais pas, parce que là, pour l'instant, c'est juste la terra cristallisation. Allez, je fais de même. Charbonbin, t'es mon dernier espoir. Mais j'y crois pas trop. Tu veux voir les techniques qui nous enseignent en entreprise? Ouvre bien les yeux. Ah, le fourbe! Il m'a one shot. Voilà comment bien se faire étamer. Il est beaucoup trop fort. Bon ben du coup on va devoir passer à autre chose, hein. Le dresseur est beaucoup trop fort, donc du coup, bah, c'est encore un échec pour cette fois-ci. Mais bon. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. Et on se retrouve tout de suite après. Donc je vous dis à tout de suite.
Eh hey, coucou, me revoilà. Donc du coup, j'en ai profité de la pause pour regarder une petite astuce entre-temps parce qu'en fait, je suis monté au-dessus du centre Pokémon. Et voilà. Ah bah voilà, regardez, comme vous pouvez le voir, vous voyez mon Pomote qui est en train de se balader, en train de tourner en rond. Enfin, en fait, bon, là, il le fait plus trop, là, mais bon. Ah si, c'est bon. Parce que là j'essaie de le faire tourner en rond en permanence, là, mais apparemment. Ah voilà. En fait, il faut que je me déplace en permanence pour. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, là, il va, comment dire, il va peut-être changer de, comment dire, d'apparence. Voilà, ça y est, là il tourne en rond en permanence, voilà. Oh, il s'est arrêté. D'accord, il fait un 8. Bon, je sais qu'il n'y a rien de passionnant à voir ici, mais bon. Vu que c'est une astuce qui apparemment a l'air de fonctionner. Après, il y a aussi la question qui pourrait monter en expérience, donc ce que je vais faire, je vais redescendre. Ah, mais je me disais aussi. Oh, c'est un métamorphe! C'est un métamorphe! Quelle surprise! Il fallait s'y attendre. Ah, oh, il a même pris la forme shiny! Ok. Ah, il fait mal, hein. Ah bah oui, bien sûr. Alors j'essaie de pas lui faire mal, mais bon. Un petit coup de boule. Ah, il m'a paralysé, le fond. Trop fort!
T'as frappé trop fort. Je pensais que c'était un d'Eden. Décidément. Bon, mis à part ça, j'ai mis notre prochaine destination, à savoir, on va aller ici. Non, c'est pas ici que je voulais aller, c'était... Voilà, base dominant dragon, voilà, c'est là que je voudrais aller. Allez, on est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse tomber l'... Ok, je connaissais pas ce Pokémon. Non, si, je l'avais déjà croisé ce Pokémon. Mais je crois que j'avais frappé trop fort. Ouh, 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 ton broche. Ça fait pas mes affaires, ça. Ah, ok. Il est dans le rouge. Pomote est tourmenté. On va utiliser une hyperbole vu que la dernière fois j'avais tout raté. Genre! Il est paralysé! Non, pas ça! Génial! J'ai fait tout ça pour rien. Ah, je suis désolé, je dois retourner au centre Pokémon pour soigner mon Pokémon qui a pris des dégâts. Bon, j'étais pas loin, ça va. Ah. Un Patachio. Ah, il n'est pas de type normal? Allez, souplesse! Apparemment, je crois que je l'avais déjà attrapé. Bien sûr. Ah, c'est bête, hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, je l'ai quand même eu. Bon. Alors, ma destination, c'était plus par là-bas.
Ah, j'avais cru voir un dresseur, mais bon. Ah, un simularbre. Ça va être un parfait entraînement. Eh ben non. Oh, ça fait mal. Ça, ça fait encore plus mal. Ah, pas très efficace. Je pensais que ton broche, ça pouvait me faire mal. Alors, normalement, j'ai l'avantage du type, hein. Avec le type combat, là. L'arme de Banzai. Ok, bonbon exp. Bon, ce que je vais faire, je vais... Non, je m'en fous du DLC. Moi, ce que je voulais, c'était aller dans mon sac. Utiliser une super potion. Ah, en plus, j'ai des potions ordinaires. Ah oui, c'est vrai qu'on m'en avait donné des potions ordinaires. Je sais pas pourquoi, qui c'est qui me les avait donné, mais... Autant les utiliser. Ah oui, nous, on devait se diriger par là-bas. Ah, dommage. De toute façon, ça sera pour bientôt qu'on puisse... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est des Vive Ladin. Mais je crois que j'ai pas son évolution. Lui, je l'ai jamais vu en, dans ma collection, celui-là. Pas à mon souvenir, en tout cas. Edin. Ah non, si, j'ai déjà eu un Edin. Ok. Bon, après, je crois qu'il est du type plante, vu son... Vu ses... c'est comment dire, c'est... Les rameaux. Ah non, il était du type psy. Ok, bon bah... grosse erreur de ma part. Non mais genre, je l'ai pas touché. Bon, du coup, mon Pokémon est KO. Vous savez ce que ça veut dire. Oh, mais il est petit, lui. Trompignon. De toute façon, je l'avais déjà dans ma collection, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Ça, c'est son évolution, sûrement, comment dire, avec le... avec la Terra Cristallisation, donc on va éviter... le contact. Eau fraîche. Ça peut être utile. Ou pas. Ah, de l'huile, ouais, ça peut être utile, ça. Par contre, vu que moi, de base, je voulais tout simplement... Ah, il y a un ramelos ici. La garçole. Là, il y a un assécateur. Aquacouac. Ah, qu'est-ce qui se passe? Salut Yagisa. Le dominant fourbe dragon devrait être quelque part dans ce lac. Mais apparemment, personne n'a jamais vu à quoi il ressemble. Je parie qu'il est super effrayant. Mais comment va-t-on faire pour le trouver? On ne sait si on n'a pas de quoi il a l'air. Je sais pas, il va venir nous voir en criant « Je suis le dominant, faut pas rêver !» D'accord, donc on est sur le lieu de notre Pokémon dominant. Alors... Tant pis, hein, je vais rappeler Pomote de cette manière.
Surtout que là, on va mettre en avant nos Pokémon qui ont les attaques de type. De type fée. Donc, à savoir Azumarill et Maturgeon. Alors, du coup, ce que je vais faire, je vais changer l'ordre de l'équipe. Hop. Et dès qu'on aura le, comment dire, le dominant sous la main, on ira le chercher. Allez, on va prendre de l'élan. Je vais quand même sauvegarder avant. Faut pas, et c'est fini. Allez, on est reparti. Plane ? Ah, voilà, ça y est. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit lors du stream d'avant-hier. On aurait dit Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Alors, en aucun cas, le nouveau Zelda ressemblera à ça. Le nouveau Zelda, il est quand même beaucoup mieux. Bien sûr, des aspects. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un grelasson. Ah, je me disais aussi. Bon, vu qu'il est de type glace. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Je suis dominant. D'accord. Ok, j'ai trouvé du premier coup. Je l'ai trouvé du premier coup. Oyakata, le dominant four au dragon. Alors on va essayer voix enjôleuse. Non. Vibre à quoi ? Donc c'est un aquatique. Peut-être. Alors du coup on va utiliser Terra Cristallisation, Canon Graine. On essaye, hein. Mais il a lancé Vibra quoi, donc c'est un Pokémon de type O à tous les coups. Ah oui, ça marche. Oh, le plaquage. Oh, punaise. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça fait mal. Bon. J'ai compris. D'accord, il est de type O, finalement. Ah, il n'a pas pu attaquer. C'est à moi de jouer. Oh, le plaquage. Non, mais une one shot, c'est pas juste. Aïe, 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 aïe. Bon, vu qu'il est de type O, j'aurai pas l'avantage avec Charbambin, ça c'est sûr. Ni avec Triopiqueur. Bon, déjà, je sais que je peux le paralyser, ça c'est une bonne chose. Donc je peux altérer son statut. Ouais, bon, c'est pas avec ça que... Hydro-queue. Ah, il me one-shot. Là, j'ai pas du tout l'avantage. J'ai pas du tout l'avantage du type. J'ai utilisé Anneau Hydro. Ouais, mais c'est pas très efficace, mon vieux. Et hop là! Souplesse. Pas de chance.
Hop, comme ça, je remonte mes PV. Bien sûr. Mais tu fais le feu contre le feu, mon con. Oh non. Oh non, pas la dinguerie, la dinguerie. Souplesse. Critique. Aïe, 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 le plaquage. Non, ça, malheureusement. Comment voulez-vous que je puisse faire face à ça? Ça, malheureusement, je vais perdre, ça, c'est sûr. Piétisole. Ouais. Ah, sa vitesse baisse. On va prendre un inconvénient pour un avantage. Ce sera pas suffisant malheureusement. Là, malheureusement, c'était attendu. Bon, en fait, j'ai eu tout faux depuis le début, quoi. Mal ombre nocturne, bon, sauf que hydroqueux, voilà, ça va me finir d'un seul coup, malheureusement. Ouais, non. Malheureusement. J'ai échoué. Décidément. Ouais. Bon, du coup, on m'a ramené ici. Ça ne fera pas avancer plus dans l'aventure ce soir, mais bon. De toute façon, on a encore le temps. On a encore le temps. Tout n'est pas perdu. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un objet là. Ok, on y retourne. Cette fois-ci, j'espère que j'aurai moins de... un problème, bon, sauf que, bon, il faut d'abord que j'arrive à le... Alors, déjà, essayez de le paralyser pour qu'il finisse d'attaquer en priorité. Alors, du coup... Viens ici, toi. Un nouveau Pokémon, toi. Nigrigon. Ok. Oh, il est niveau 52, j'avais même pas remarqué. Ok, bon. Vous n'avez pas réussi à fuir. Je veux fuir. Merci, au revoir. Je ne demande pas mon reste, c'est tout. Oula. Je sais pas si vous avez vu les bugs d'affichage là qui viennent de se produire là. Ouais, peut-être que le dominant il est comment dire. Oh là là, vous avez vu le bug d'affichage. C'est un truc de fou. Miraidon, on perd de l'altitude, là.
Tiens, voilà son équivalent en, comment dire, en miniature. Donc du coup, je vais passer Pomotte en première position. Puisqu'il aura le pouvoir de, comment dire, de paralyser le Pokémon en question. Voilà, ça c'est fait. Ah, ça c'est très bête ça, que tu peux pas attaquer, hein? Le plaquage fatal, malheureusement. Je vais envoyer Charbambin avec, avec Ombre Nocturne pour lui faire un dégât de plus. Même si je sais que je vais pas, malheureusement, aller bien loin. Ça, malheureusement, le plaquage, c'était attendu. Et même pas midlife. Tiens, si j'essaie Épicure, tiens, on va voir. Ouais, bon, ça fait pas grand chose. Hydroqueue, je vais me prendre le max de dégâts, ça c'était attendu. J'ai même pas encore réussi à le faire midlife, hein. Je vais tenter le piétisol. Même pas midlife. Sa vitesse baisse. Le plaquage fatal. Ah tiens, le vampire baiser, tiens. Ouais, ça donne pas grand chose quoi. Ok, pas très efficace, ok, mais bon, malheureusement. Ça remonte les PV, mais pas suffisamment, je pense. Ouais, non, malheureusement. Il a même pas encaissé. Bon, on va essayer une dernière fois. Voilà, vu que là j'ai pas utilisé du tout mon matogéant dès le départ comme j'avais fait tout à l'heure. Peut-être qu'avec la terra cristallisation j'aurai une petite chance. Mais de toute façon, s'il y a le plaquage, malheureusement là c'est fini. Hein. Que l'aléatoirisme du jeu me fasse aller dans mon sens. Mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Ça fait mal. Il a pas pu attaquer, c'est bon, j'ai de la chance. J'ai une petite chance de l'avoir, mais j'y crois pas trop. Là, il faut faire un critique, là. C'est obligé. Ah, il manque pas grand-chose. Quoi, c'est déjà fini? Il s'enfuit.
Il s'enfuit. Ah oui, ouf, j'ai eu peur. Je me disais, ça y est, je vais tomber dans l'eau. Le problème, c'est que si je laisse fuir. Par contre, il faut que je retrouve la terre ferme. Je vais vite soigner mes Pokémon. Ils sont tous KO. Bon, en tout cas, la stratégie que j'ai mis en application, elle avait l'air de fonctionner. Hein. Mais il faut que ça engage toute mon équipe, en fait. Hein. Voilà, super potion pour tout le monde. Ben voilà, heureusement que j'avais sauvegardé. Hein. Heureusement que j'avais sauvegardé. Légissa, t'as trouvé le dominant? C'est lui le dominant fourbe dragon? C'est un énorme dragon? Ou pas du tout en fait, c'était clairement Pokémon poisson. Le sushi, il s'est fait gober par le gros dominant? C'est quoi cette chaîne alimentaire? Bon ben on est reparti pour Frodfrimus. La chaîne alimentaire, ça m'intéresserait à fond. Ce combat aussi, on va gagner sans sushi. Oh le jeu de mots. Sans sushi, sans souci. Si vous avez compris le truc. Ok, la paralysie a fonctionné. Rongrigou a pris cher. Hop. Ah, Mimiqueux, intéressant. La défense a baissé. Nice. Ok. Et c'est parti pour l'étincelle. Aïe, 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 le plaquage fatal. Ça fallait s'y attendre. Sauf que je suis plus tout seul. Attaque ombre nocturne. Paralysé. Ouh, ça fait mal. Bon Grigou, j'espère que tu vas encaisser le choc. Ah, le plaquage fatal. Ah, il est presque fini, il est presque fini. Donc je vais envoyer ma tour géant. Et on finit ça en terra cristallisation.
de toute beauté. Là, j'ai l'avantage, il est paralysé. Canon graine. Voilà, ça c'est réglé. Comme il a coulé. Yagisa, on a réussi. Maintenant qu'on a battu le dominant, à nous les pistes. Hein? Oh bah, il s'est pas fait manger celui-là? Chui-chui, aussi dominant. Ouah, ça craint, il a l'air de vouloir se battre lui aussi. Quoi, c'est pas fini? Mais non, t'es sérieux. Ok, bon bah, rebelote, hein. Oh, Rongrigo a pris cher. D'accord, il ne craint pas l'électricité. Bon, on va lancer une bonne souplesse. Boum! Ah, c'est lui le type dragon! C'est donc lui! Bon, j'espère que Pepper, il a prévu un autre Pokémon. Tant mieux. Au croupi. Bon, mon cher partenaire de combat, là, il ressort un autre Pokémon ou bien? Ah oui, non, balayage, c'est efficace contre les gros Pokémon. Ce n'est pas un gros Pokémon, c'est un Pokémon fourbe. Le combat va être long, c'est moi qui vous le dis. Ok, pas pu attaquer, c'est bien, mais bon. Finalement, je me bats tout seul, quoi. Ça c'était attendu. Alors, voyons un peu. Allez, c'est temps de l'envoyer. Azumarill. Avec un vampire baiser. Ah, c'est con, tu peux pas attaquer, hein. Allez, prends un bon vampirisé. Hop là, smack. Bon, ok, bon, ça fait pas baisser beaucoup, hein. Son attaque ne baisse pas beaucoup, hein. Bon, ok. Ah, il peut toujours pas attaquer, hein, c'est fou, hein. Croupi. Ouf, ça fait mal. Ça va me remonter un peu les points de vie. Vent glacé. Ah, il peut faire ça? Malgré que c'est un Pokémon de type dragon. Doucement, mais sûrement. Ah, ça prendra tout le temps qu'il faut.
Et pendant cela, je restaure mes PV. Vent glacé. Pas très efficace, mon vieux. Ah, ma vitesse baisse, de toute façon, ça ne changera rien. Et pendant cela, je lui prends ses PV. Ah, c'est bête, hein. J'ai toujours l'avantage du type. Après, vu que Azumarill il a le double type haut effet. Ah, j'ai presque plus d'attaque. Au croupi. Ouf! Ah, oh, il a évité l'attaque, j'y crois pas. C'est ma dernière attaque. De type fée. C'est pas grave, de toute façon, j'ai un autre Pokémon qui a une attaque de type fée. Allez, il est temps d'attaquer avec de la souplesse. Ah bon, ça fait pas grand chose, hein. Vent glacé qui touche, malheureusement. Ah, mais c'est pas très efficace. Ah, je vous dis, le combat est long, hein. Bon, ça, au croupi, c'était attendu. En fait, Pepper, il sert strictement à rien, quoi. Au final. Allez, Maturgeo, montre ta voix enjôleuse. Ouais. C'est pas fou, quoi. Oh, punaise. Je vais lancer un demi-tour. Bien sûr. Ah, le vent glacé, ça fait mal. Ah, le vent glacé, ça fait mal. On revient sur la première défensive. Avec ombre nocturne. Mais il est paralysé, tu ne peux rien faire. Il est dans le rouge. Hey, je suis de type feu, t'as oublié? La glace ne peut pas me faire de mal. Ah, le Dracochoc, ça, malheureusement. Ça pardonne pas. Bon, je suis en bonne voie, mais bon, faut-il encore que j'arrive à avoir la bonne attaque? De toute façon, le Pokémon est KO, donc c'est pas grave. Allez, encore un tout petit peu. Et il me provoque en plus. Ah, il manque pas grand chose. Ah, le Dracochoc. Ça fait mal. Il me reste juste un seul Pokémon là. Voilà, c'était le coup final. Il y a que pour filer en trappe en fait. Bien joué, Yagisa. T'as assuré.
Qui aurait cru que le dominant Fourbe Dragon était en fait deux Pokémon? Le petit Pokémon est sorti de cette grotte, tu comprends ce que ça veut dire? Il doit y avoir une piste secrète à l'intérieur. Allons-y, Agisa. Je suis sûr qu'elle est dans le coin. Et voilà, la dernière épice secrète. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire en plus. L'épice secrète corsée. Alors, que nous dit le bouquin à son sujet? L'épice secrète corsée stimule le métabolisme. Ça dit qu'elle agit sur le système cardiovasculaire et aide le corps à mieux éliminer les toxines, en lui faisant produire plus de sueur. Parfait, et maintenant, c'est l'heure de la popote! On tranche, on garnit, allez hop hop hop! Et voilà, c'est prêt! Les sandwichs ultimes de Pepper, un délice nutritif aux épices! Et voici ton badge, mon ami! Serre-le contre toi pendant que tu te régales. Ah bah j'ai tous les badges justement par rapport à ça. Ah, c'est le moment Miraidon. Bien sûr que je lui donne. Miraidon a appris la capacité de monture. Escalade! À ton tour, mon beau. Tiens, Dogrino, mange ça. Ça va te faire du bien, je te jure. Yagisa et moi, on s'est donné à fond pour toi. Pour que t'ailles mieux. Et tu verras, on rejouera à la balle ensemble. Comme avant. Tout ce que je veux, c'est que t'ailles mieux, s'il te plaît. De Grino. Tu t'es accroché, t'as jamais perdu espoir, je suis si fier de toi. Oh, il ramène la Pokéball. Oui, mon beau. Oh, si c'est bon de te retrouver. Allô Yagisa, ici Touroum.
Mais Raiden semble avoir retrouvé tous ses pouvoirs d'origine, hormis celui de se battre. Il peut désormais grimper aux parois lorsqu'il est sous sa forme monture. Si vous appuyez sur le bouton B pour sauter une seule paroi en face de vous, vous pourrez l'escalader. Utilisez ensuite le stick gauche pour vous déplacer librement sur la paroi. Appuyez à nouveau sur B pour lâcher prise. J'ai eu raison de te faire confiance pour cette mission, Yagisa. Vas-y, balance-toi des fleurs pendant que tu y es. Cette voix ? Pepper, c'est bien toi ? Je cherchais un moyen de te contacter depuis si longtemps, car tu es la seule personne capable d'accéder à mon laboratoire. C'est une blague. Rends-toi au laboratoire de phare sur la route de Kushlaga avec Yagisa. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous y serez. Bon, apparemment, il n'a pas l'air ravi. Hein. Tu le sais peut-être déjà, mais en fait, le professeur, c'est mon père. Il n'était jamais à la maison, toujours trop occupé par ses recherches. Ça faisait des années que je n'avais pas entendu sa voix. Et t'as vu comment il traite son fils, après tout ce temps, comme un vulgaire larbin ? Il est où le respect ? Ça se fait pas, sérieux ! Enfin, j'imagine que tu veux quand même aller au labo avec Miraiden, pas vrai ? C'est pas de gaieté de cœur, mais bon, je vais bien t'accompagner. Le laboratoire est au phare qui se trouve sur la route de Kurshaga. Tu te souviens ? C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Allons-y maintenant avant que je change d'avis. Putain, le sourire diplomatique qu'il a fait, son Pokémon. Dogrino, voilà, c'est ça, Dogrino. C'était vraiment lui. Direction le laboratoire. C'est là ? Tiens, on va essayer la capacité d'escalade du coup. Ah mince. Je voulais pas attaquer le Pokémon. Donc il doit être niveau 50. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hop là. On voyait rien. Ah, les bugs d'affichage, c'est terrible. Vous avez atteint votre destination. C'est pas vraiment ici que je voulais aller. Mais non, ça c'est une zone où il y a des Pokémon, ça. Bon, le phare c'était où déjà? Je me souviens déjà plus. Ah voilà, c'est là. Attends, on va prendre Plateau Réal Est. Et comme ça, on termine cet élément du scénario. Je voudrais juste l'état de mon équipe parce que... Ils vont être bientôt tous niveau 35, enfin presque.
Sauf Pomote qui a encore du mal. Donc bon, vu que le champion des Pokémon normaux, donc il est quand même assez balèze. Alors, attends. Voilà, le phare, c'est ici. C'est marrant qu'il y ait toujours des psychoquacks sur le côté des ponts. Ok, route de Chouchalaga. D'accord. T'as, vous avez vu la transition, comment elle était bizarre? Comment t'as fait pour arriver avant moi? Enfin bref, voilà le labo de mon père. Je venais souvent ici quand j'étais gamin. Je me demande bien pourquoi il nous a demandé de venir. Je vais ouvrir. Tout le monde raconte que mon père est un vrai génie. Un professeur de talent, paraît-il. Mais pour élever son propre fils, c'était pas le même délire. Il rentrait jamais à la maison, trop omnibulé par son fichu boulot et dans son fichu labo. J'ai aucun bon souvenir de lui. Il jouait jamais avec moi. Dogrino, lui, au moins, il a toujours été à mes côtés. C'est bon, c'est ouvert. Allons-y. Qu'on en finisse vite. Je veux pas traîner ici plus longtemps que nécessaire. J'ai besoin de votre aide. Je me trouve en ce moment même dans le cratère de Paldea, au plus profond de la zone 0. Depuis tout ce temps, je poursuis des recherches sur des Pokémon uniques dans leur genre. Mais pour atteindre la dernière étape des brillants travaux du professeur Turum, votre aide m'est nécessaire. La dernière étape? Pour cela, vous devez utiliser une clé qui se trouve quelque part dans ce laboratoire. Il s'agit du livre violet. Un livre? Tu parles de celui-là? Tu l'as donc déjà dans ta possession, Pepper. C'est parfait. Cela va nous faciliter la tâche. Je veux que vous apportiez ce livre au plus profond de la zone 0. Je vous promets que cette quête sera pour vous une expérience pareille au plus beau des trésors. Toutefois, je dois vous prévenir que la zone 0 est protégée par un dangereux Pokémon, ainsi qu'un système de sécurité électronique renforcé. J'ai bien peur qu'à deux, vos chances de réussite soient minimes. Donc je vois pas d'inconvénient à ce que vous fassiez appel à d'autres compagnons. Je dois vous quitter. J'attends votre venue dans les profondeurs de la zone 0 avec impatience. Ah, donc ça veut dire qu'en fait, il va falloir avoir recours à des, comment dire, à des joueurs en ligne, quoi. La zone 0. Ça craint. C'est là-bas, au fond du cratère, que Dogrino a été gravement blessé. Franchement, j'ai pas trop envie d'y retourner. Tu vas y aller, toi? Oui, j'y vais. C'est sûr qu'on se sent un peu obligé après un discours pareil. Oh, et puis zut. Je peux pas laisser un ami partir seul dans un endroit aussi dangereux. Je vais venir avec toi. En plus, j'ai deux mots à dire à mon père. Allez Yagisa,
Sortons d'ici et faisons un combat. Avant de partir, il faut s'assurer qu'on a le niveau pour aller dans la zone 0. Enfin, surtout moi. Allons-y. Bon, de toute façon, le combat contre Pepper, ça sera pour une autre fois parce que nous arrivons à la fin de notre stream. Et donc, comme d'habitude, hein, je vois qu'il n'y a pas assez de monde pour faire un raid chez un autre VTuber ou qui que ce soit. Donc, en tout cas, merci à toutes les personnes qui sont passées ce soir. On se laisse sur cette aventure et donc, on se retrouve très prochainement. Et donc, portez-vous bien. Des bisous à tous. Et voilà. À bientôt.